Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2. Wouhou! Ah, j'ai eu un bug optique, je sais pas si vous l'avez eu aussi. L'épisode 2 de la série qui consistera à devenir l'Allemagne, je sais pas encore exactement comment ça va s'appeler. Et j'ai réussi à revenir en arrière et à faire une paix blanche presque avec les deux gars. Donc lui, je l'ai humilié quand même pour monter à beaucoup, à humilier Salzbourg, à déclarer la guerre à Salzbourg. À humilier Augsbourg, à déclarer la guerre à Augsbourg, voilà. Ça c'est fait. De façon à ce que l'Autriche ne me déteste pas tout de suite. En fait, il va falloir qu'elle me déteste pas jusqu'au moment où je devienne électeur. Donc ça va être vraiment dur. Donc je sais pas si c'est faisable de devenir l'Allemagne et de se faire élire électeur. Donc on va voir, je suis actuellement à moins 4 et considère que mon armée est encore trop faible. Malheureusement, je ne peux pas monter à plus, tout simplement. Donc, est-ce que je peux monter mes relations? Non. On n'a pas de rivaux communs. Je pense que ça joue. Et c'est peut-être le truc qui me bloque. On a des alliés communs pourtant. La Saxe, on va améliorer les relations. Ils sont pas top. Ansbach, on va faire un réseau d'espionnage que je n'avais pas encore fait. Ce serait bien qu'ils soient ennemis à la Bohème. Comment ça se passe niveau relations entre les deux voisins? Ah, ils s'aiment pas toujours. Territoire illégal. Ah ouais, parce que... Alors l'Autriche... Non, la Bohème apprécie beaucoup l'Autriche. L'opinion bohémienne sur l'Autriche est de 93. En revanche, l'Autriche n'apprécie pas... La Bohème n'est pas du tout appréciée par l'Autriche et par nombre de ses voisins. De par les hérétiques hussites peut-être. Bon, eux, ils sont rivaux, c'est normal plutôt. Pourquoi ils ne sont pas appréciés par l'Empire? Parce que territoire illégal... Oh, ils ont pris un sacré malus à cause du territoire illégal. Mais ils ont encore Memmingen en allié. Si je prends des territoires, l'Autriche va m'en vouloir. Et dans cette partie, mon objectif principal, c'est quand même de faire le beau pour que l'Autriche m'accorde le titre. L'autre option, ce serait quand même d'avancer dans la partie de façon normale et de se retrouver à être un des derniers catholiques avec l'Autriche. Et là, de s'en sortir. Mais je me dis que si jamais on est allié, peut-être qu'elle ne me collera pas les malus sur les territoires illégaux. Et dans ce cas-là, je pourrais m'en sortir en toute impunité. Et ce serait top, top, top. J'ai personne en administratif. On va prendre quelqu'un. Non, on va pas prendre quelqu'un. J'ai vu l'état de mes finances et j'ai fait non, d'accord, on prend personne. On peut réduire le coût déjà. Ah, je me rappelle encore de ma partie avec le Danemark. En fait, ça n'avait pas été si dur de maintenir sous notre domination des pays beaucoup plus gros que nous, enfin beaucoup plus grands. Gros, je sais pas, la Suède elle fait un poids quand même vachement important. Voilà, 30% d'aspiration à liberté, elle se libère très souvent. Le Holstein, généralement, il s'en sort jamais. Et 0%, et les Norvèges, ça dépend des parties. Parfois, le Danemark se fait écraser par ses voisins et la Suède et la Norvège se libèrent. Mais le Holstein, je crois que j'ai encore jamais vu. Mais en tant que joueur, c'est pas si dur de peser suffisamment avec le Danemark pour ne jamais prendre les rébellions de nos unions personnelles. Alors, j'ai fait des revendications où la réponse est nulle part. Alors que c'est lui le premier. Alors lui, il me déteste. Il veut mes provinces. On est rivaux. Il a une province riche. Dans un état que je ne possède pas du tout, par contre. Ça, c'est pas très très grave. Plutôt un truc mineur. S'en fiche un peu. À une forteresse dans la capitale. À une forteresse des armées.
Ah, c'est si elles sont activées ou pas. Si c'est écrit en vert ou en jaune, j'imagine. Il met pas n'a pas de forteresse. Là où il n'y a pas de forteresse. Ça ferait un peu bizarre, je pense. Alors, problème à la construction de marché. Est-ce que j'ai un marché intéressant? Ouais, à Ratisbonne. Les provinces, elles sont plus pauvres que les cités voisines, les uniprovinces voisins. En moyenne. Bon, si Hansbach compte pas. C'est pourtant la seule province que je peux me permettre de revendiquer. Enfin, que je vais me permettre de revendiquer pour l'instant. L'Autriche, est-ce que la situation a évolué? Non, pas trop. À part que je peux gagner 3%. Ah non. Alors, Augsbourg, on va constituer un réseau d'espionnage. C'est jusqu'à quand la trêve avec Augsbourg, qui est le premier que j'ai attaqué? 62. Oh, ça fait loin quand même. Et les autres, c'est quoi? 63. Ah, c'est pas loin. Oh, ça coûte quasiment rien. On prend. Même si j'ai déjà plein de prestige. Je gagne mes plus 5, mes plus 1 point grâce à la démonstration de force. Je gagne du prestige grâce à la démonstration de force. Enfin, j'évite d'en perdre trop plutôt. Et la dernière. Hop. Et on peut faire des églises quand j'aurai des sous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Autriche me considère comme un pays plus puissant? Oh! Pause. Arrêtez tout. Est-ce qu'ils avaient changé d'avis? Je ne sais pas. Je suis curieux quand même. Puissance de l'armée va. Alors, ils sont restés neutres. Ma marine, il me demande toujours autant. L'armée, c'est plus 20. Ah, je pense que j'ai pris la tech militaire et que ça suffit. Ouais, il m'adore. Wouhou! Là, je suis presque. On attaque la Bohème ensemble, l'Autriche? Autriche est l'empereur du Saint-Empire. Ah, donc ils ne rejoindront aucune guerre contre un membre du Saint-Empire. Quoi qu'il advienne. Donc je pourrais avoir la Saxe de mon côté. Mais ça pèse lourd quand même, la Bohème. Même si j'ai fait toutes les guerres que je pouvais contre des pays. Je sais pas, il pèse combien la Bohème en militaire? Il pèse combien? Je parle un peu n'importe comment, mais je dirais combien de. Quels sont leurs effectifs recrutés? Attendez, Bohème, je les ai pas loupés. Non, Autriche 19 000, Bohème 17 000, et la Saxe 9 000. Anhalt, ils sont pas avec nous, hein. 9 000 plus 11 000, on est plus nombreux qu'eux, hein, en quelque sorte, mais bon. Oh, il prend la mine d'or, ce serait tellement bon. Si je pouvais prendre la région des monts métallifères. Oh là 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 là. Ce serait la richesse, hein. Je gagne combien actuellement? 6, je gagnerais plus 5. Donc on va peut-être commencer à faire des revendications sur eux. De toute façon, j'ai 11 ans avant de m'attaquer à un autre voisin que une cité libre, ce qui voudrait dire être en guerre contre l'Autriche, mon allié, sauf si l'Autriche ne rejoint pas, mais. Ah oui, je suis allié à Nuremberg. Il n'y a aucun diplomate à envoyer. Je peux en détacher hein, si besoin. C'est Augsbourg, c'est là. Voilà. Hop. Alors, Memmingen appartient à l'Empire et ils sont empereurs. Ouais, faudrait que je fasse une revendication pour avoir une idée de ce que ça donnerait en vrai. Parce que tant que j'ai pas de revendication, l'Autriche rejoint. Donc, enfin non, elle rejoint pas la Bohème d'ailleurs. Peut-être que parce qu'elle est rivale avec la Bohème. Ou même pas. Non. Bah, peut-être que c'est parce qu'elle a des mauvaises relations avec la Bohème. Qu'elle ne rejoindrait pas la Bohème. Si je l'attaquais. Mais moi et la Saxe, on fait à peine le poids de la Bohème. Alors. On va attendre un peu. Et niveau force, ça donne quoi dans la région? Un niveau 2. Ce serait bien que je contrôle ça. En terres arabes, c'est pas top. Enfin, je veux dire que j'obtienne ce fort-là. Voilà, ils ont deux forts là.
Faudrait qu'on se rassemble sur Plissen par exemple. J'ai pas vraiment les sous non plus pour faire une guerre. Pour l'instant, on va être patient. Sachant que pour l'instant, mes autres alliés veulent pas rejoindre, mais à terme, ils seront là. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas rejoindre parce que c'est une guerre hors règle. Enfin, hors casus belli. Bon, Augsbourg, j'ai pas. Oh, il s'est allié à Ansbach. Ansbach. C'est genre l'autre pays que je voudrais prendre dans le coin. Très bien. Saxe, eux, ils veulent pas parce qu'ils ont des dettes minuscules. Et eux, ils veulent pas parce qu'ils veulent pas rejoindre de guerre offensive jusqu'en 54. Ça, je peux attendre. Par contre, ils sont inquiets. Et inquiets, je dois pouvoir améliorer ça. Proposer la vassalisation, ça demande beaucoup trop parce que c'est des membres de l'Empire. Bon, on va tourner comme ça. Je préfère garder mes deux forts pour l'instant. En partant du principe que... Non, je pourrais même pas me reculer derrière un fort. Si, au Tyrol. Il faudrait que je sois avec l'Autriche dans la guerre. Bon, pour l'instant... Pologne, Danzig... S'adore. Ah, Danzig est libre. Comment ont-ils été libérés? Je sais pas. Bon, ils s'adorent, mais ils sont pas dans la même guerre. Aimez-vous si vous voulez, mais si jamais vous les soutenez pas, ils vont se faire bouffer. Je sais pas ce qui est mieux pour Danzig entre se faire quasiment bouffer ou complètement bouffer par l'ordre teutonique. Je pense qu'ils n'ont pas moyen de rivaliser même s'ils ont trois provinces. Ou alors devenir un vassal de la Pologne et se faire bouffer plus tard. Le mieux pour eux, ce serait de devenir un allié de la Pologne, mais je sais pas si la Pologne se contenterait d'en faire un allié. Il y a une guerre contre les Ottomans avec l'Albanie. Avec la Hongrie, Venise. Venise qui a d'ailleurs mangé un morceau de la Bosnie. Je pense que les Ottomans vont gagner. Mais Hongrie et Venise contre les Ottomans, plus plein de petits machins. Albanie, Corfou, Naxos. Ça peut peut-être le faire, hein. Peut-être qu'ils ont quand même une chance. On va plutôt réclamer celle-là parce qu'elle est juste à côté de la province d'or que je voudrais absolument. On pourrait réclamer les deux d'ailleurs. Plus que 2 ans avant la fin de pour que mes alliés veuillent bien me suivre. Ils sont rivaux donc ça va me rapporter encore des points. Ça c'est tout bénef pour moi. Le truc c'est que si je commence à grossir après, les uniprovinces ils feront plus le poids pour être mes rivaux. Je pourrais quand même les manger juste comme ça, mais... Je sais pas du tout, mais en fait, je dois pouvoir déjà regarder. Former les nations allemandes. Bla bla bla. Possède la province de Hambourg, Rostock, Brandebourg, Brauchen, Sachsen, Thuringe, Munich, Nuremberg, Hesse, Cologne, Palatinat, Augsbourg et Francfort. Et il faut que j'ai soit Königsberg, soit l'Alsace. Königsberg, ça doit être... Ah, on voit! Donc, Rostock. Ouais, vous voyez aussi, en clignotant. Donc, il y a une province à la Poméranie, une province à son voisin. Puis, il y en a une en dessous du Holstein, au niveau du Danemark. Ensuite, il y a Cologne qui est là. Il y a l'Alsace ou l'autre. Il faut que je prenne Palatinat. Faut que je prenne l'Est, faut que je prenne Francfort, faut que je prenne des territoires à la Saxe, ouais. Et le Brandebourg. Et je crois que la province de Königsberg, elle est loin. Et c'est volontaire. Ah ouais, elle est super loin. Elle est là. Parce que il faut que je sois. Soit aller jusqu'à la France, jusqu'à l'Alsace. Soit jusqu'à. Bah, jusqu'à très loin, hein. Pour montrer que je suis l'Allemagne. Faut que j'ai soit poussé d'un côté, soit poussé de l'autre. Plus pris à peu près toutes les provinces au cœur de l'Empire. Entre diplomatique et administratif. Je préfère perdre diplomatique. En revanche.
les nobles, je peux pas leur soutirer des points, ou alors je peux. Les nobles perdent en loyauté, c'est tout. Et ça ferait 150 points. Je croyais que c'était beaucoup moins les points. Ah, les nobles, ils rapportent beaucoup plus. Oh bah du coup les deux sont fâchés, hein, c'était malin. Et je peux pas convoquer l'assemblée. Je peux pas recruter un mini parce qu'il gagnerait en influence et je peux pas. Et bourgeois. Je pourrais leur accorder des chartres. Bon, on va attendre qu'ils remontent à 40, ce sera facile. Bah c'est-à-dire que pour l'instant j'ai un malus sur le coût de développement, sur l'efficacité commerciale, la vitesse de recouvrement des réserves et le maudit d'entretien. C'est pas grave, on va faire avec. L'idéal, ce serait que l'Autriche puisse me rejoindre. Parce que l'Autriche, ils ont de quoi rivaliser face à la Bohème. Et je suis sûr que si jamais ils étaient rivaux, ils attaqueraient la Bohème. Peut-être pas à mes côtés, mais... Vu qu'ils sont alliés à la Hongrie, ils pourraient attaquer Venise, sinon. Mais Venise est alliée à la... Non, pas alliée à la Hongrie. Alors les Ottomans, ils ont attaqué l'Albanie alors que l'Albanie était attaquée aux deux gros voisins. Ah non, juste à la Hongrie. Comment ça se fait qu'ils étaient aussi en guerre contre... Non, mais ils ont un allié commun, c'est sûr. Albanie, Autriche et Ferrare. Ils avaient, peut-être que Venise s'est déjà séparée de l'Albanie. Ou alors peut-être que Venise a eu un événement, je connais pas trop. J'espère que l'Autriche va rien dire quand je prendrai des provinces. Ils sont prudents. Comment ça? Considère comme son allié dans le cadre d'une alliance défensive, il est peu vraisemblable que ce pays rejoigne les guerres d'agression déclarées par Bavière. Bon, soit Nuremberg y mène à nouveau bien alors qu'ils sont tout petits. Un sac, c'est prudent. Ils sont tous prudents alors que j'ai pas fait une conquête depuis le début. Bon, d'accord, j'ai fait beaucoup, beaucoup de guerres, mais pas une seule conquête. Alors arrêtez. Lui, il est allié à Augsbourg et Salzbourg. C'est mes deux cibles, je sais pas s'il réalise. L'idéal, ce serait qu'il s'allie à des cités libres pour que je puisse manger les cités libres. Ça, c'est peut-être un peu trop demandé. Pour l'instant, il s'allie entre eux, entre pas cités libres. Lui, il est allié à Bohème et Württemberg. La Bohème, elle s'est trouvée des alliés, à part... Ah, juste Memmingen. C'est-à-dire que je pourrais en profiter pour manger Memmingen, du coup. D'ailleurs, on va faire la revendication équité. Voilà. Là, dans l'état des choses, si je déclare la guerre, il y aura... Ah, c'est vrai que j'avais oublié de compter la Silésie. Je pourrais avoir Palestina et Saxe de mon côté. L'Autriche, elle voudra jamais. Palatina et Saxe de mon côté. Ils ont des rebelles, là. Ah, mais ils sont en train de dessiéger. Parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Moi, je vous dis, c'est le genre de guerre qui rend riche, hein. Enfin, qui rend gagnant à la fin. Enfin, qui fait une grosse différence. J'ai envie de la faire, cette guerre. Sinon, on attend d'avoir un type de plus dans la guerre. C'est-à-dire Nuremberg. Nuremberg, il pèse 7000 hommes. C'est pas négligeable, c'est vrai. Et il faut que j'attende le 12-23. Ah, en gros, il faut que j'attende jusqu'en 455. J'ai pigé. On va garder nos troupes à bas niveau de recrutement. J'espère qu'ils vont repasser de l'autre côté. Les séparatistes brandebourgeois, ils pourraient m'aider. Ah, ils sont peut-être morts d'ailleurs. Oh, ils doivent être morts. Alors, dernier tournoi, hop, allié de confiance, plus de réputation diplomatique, génial. J'aurais pu attendre pour le prendre, je sais pas vraiment à quoi ça va me servir là. Ouais, j'aurais dû attendre. Oh, mais les Ottomans perdent! Oh, ils sont à moins 30! Et qui est le leader de la guerre? C'est eux qui ont attaqué quand même. Attaquant face à Albanie dans la reconquête ottomane de Leizh.
Ah, ça va être un territoire légitime ottoman. Et ils perdent. Bah, je sais pas ce que va réclamer l'Albanie, hein. Ils pourraient demander Alviona. Et je pense qu'ils demanderont qu'une province. Ils seront pas très gourmands. À la place de l'Albanie, moi, je pousserai la guerre jusqu'au bout pour prendre boum, tout ça. À peu près, histoire d'avoir un gros poids sur les Ottomans, qui sont vraiment pas très gros côté Turquie. Ça ferait des Ottomans très faibles sur cette partie, ça pourrait être marrant. Je sais pas si ce sera bien pour moi d'avoir des Ottomans faibles, sachant que les Ottomans peuvent venir grignoter l'Europe et que moi je serai toujours loin. On a perdu notre chouette général. C'est vrai que le général joue aussi pas mal. 5 de manœuvre, il a le leur. Je sais pas combien a le général bohémien. Je devais faire des revendications sur Memgen. Profitons du fait qu'on ait encore un peu de temps. Qui sont mes autres alliés? J'ai oublié. Ah, et le Palatinat. Le Palatinat, il m'aime bien. Sois amicaux, même si je suis un gros pays qui pourrait être un danger pour eux. Ils ont perdu une province depuis le début de la partie, le Palatinat. Ce qui en fait pas des alliés très costauds. Ah, la Palatinat, Nuremberg, Saxe. On doit pouvoir faire plier la Bohème. Et si je leur prends leur mine d'or, je pense qu'on sera définitivement plus fort qu'eux. Une armée von Munich. Il va falloir un nouveau commandant. Est-ce que. Non. Il n'est pas envisageable de recruter un par cette voie-là. Je peux en recruter un de façon classique. Il est bien. Est-ce que notre roi serait mieux? Non, on va pas encore prendre l'héritier. Quoique l'héritier pourrait mourir, que je m'en porterais pas trop mal. Le roi aussi d'ailleurs. J'aimerais juste pas perdre trop de stabilité. Si on a un changement de dynastie, on pourrait prendre la dynastie d'un de nos voisins alliés. Histoire de pouvoir après potentiellement réclamer leur trône. Alors 16. Pourquoi j'active pas la maintenance des armées moi? Toi, tu vas t'en aller, on est désolé. Mais j'ai plus vraiment beaucoup de sous. Sachant qu'il va falloir que j'active mes. Mes forts aussi. Hop. Je vais passer en négatif, je pense, du coup. Les alliés sont autorisés. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Il est pas vraiment mieux. Si il est mieux en siège, alors on va le prendre, mais. Ah bah il me dit pas que Nuremberg veut à nouveau me rejoindre dans mes guerres parce que c'est pas un truc majeur. Voilà, un dernier pour le moral. J'ai pas besoin d'être full moral pour affronter 7000 hommes. Quoique ça pourrait mal se passer. Ok. La Bohème n'est alliée à personne de plus. J'ai mes trois alliés. L'objectif de guerre va être Plissen. Hop. Attendez, je suis premier. C'est un bug graphique ça. Je suis deuxième en rang militaire.
Donc je gagne plus 23 par mois. Non, je suis 55e. Ah, j'ai un point. D'accord. Je comprends mieux. Oh, ça a piqué pour eux. Hop, on va sur Plissen. Est-ce que y a qui que ce soit qui a des revendications sur nos voisins? Non. Groupez-vous sur Plissen avec moi de préférence, à moins qu'on aille les affronter. Je préférerais prendre Plissen d'abord. Pendant ce temps-là, il y a mes Mingen qui devraient tomber. J'ai favorisé l'attaque il y a peu. J'espère que c'est encore. J'ai encore le bonus. Ça doit se voir. Soit dans les bonus, soit sur le fort. Bah, avoir presque capacité de siège. Ouais. J'imagine que c'est ça. Oh, ils se sont fait battre. Ah. Les cocos. Ils sont nombreux. On est plus nombreux qu'eux. Il y a un petit groupuscule qui vient taper là, mais on est nombreux. 4000 de la Saxe, 7000 là. Ouais. On est nombreux. Sauf s'ils viennent par contre tous à Plissen. Là, ça va pas vraiment le faire. Non, ils veulent juste siéger. Bah, siéger chez moi, pas de soucis. Tant que vous finissiez votre siège, j'aurais fini les deux autres sièges. Et je serais venu vous taper. Hop, Memmingen est tombé. Accrochons-nous. Si besoin, je décroche. Oh oh. Ok, je décroche. Go 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 go. Victoire. Hop, on s'accroche, on s'accroche. Ah, mon siège. C'était ce qui pouvait arriver. Alors, je suis désolé, mais je décroche. Je vais où je veux, merci. Attendez, pourquoi je refuse Mayence? J'ai une raison valable ou... Trêve, Geldre, Nassau... Bon, faites-vous la guerre, hein. Je vais pas vous céder... Enfin, je vous ai pas donné l'accès militaire, mais... Ça ne nous empêche rien d'agir. Ils ont pas d'autres guerres, eux? Non, pas encore. Il y a un petit groupuscule armé qui passe. Ils vont à Prala, on est d'accord? Non, ils vont à Ornith Lucie, très bien. Faut qu'on prenne la mine d'or pour baisser leurs revenus de façon conséquente. Est-ce qu'on a fini d'améliorer nos relations? Non, pas du tout. On va remonter avec l'Autriche. Histoire qu'ils nous considèrent comme des vrais alliés. Est-ce que la Bologne a rejoint? Oui. Question, est-ce qu'elle a rejoint toute seule? Non, elle a rejoint avec Danzig. Ça va se taper, mais on n'est pas trop là. Ça s'est mal tourné pour eux. Alors, les avancées des Habsbourg en Autriche sont une épine dans notre flanc. Ils ne cessent d'y étendre leur possession et ont maintenant placé l'un des leurs sur le trône impérial. Cela fait plus d'un siècle qu'un Wilsterlbach n'est pas monté sur le trône. Aussi devrons-nous remédier sans tarder. La lutte contre les comtes de Habsbourg doit être notre priorité. Non, désolé, mais ça ne sera pas notre priorité. L'Autriche est mon ami. Je suis désolé si ça vous vexe. Mais l'Autriche est mon ami, et puis voilà. Ça pop pas loin, on va la voir bientôt. Mais je préférerais prendre l'attaque militaire avant. Hop. Voilà. Allez, soyons fous. Changeons en pleine guerre. C'est le genre de truc qu'il faut absolument éviter de faire, mais... Mais bon. On est 21 000. Je sais pas s'ils oseront nous céder dessus. Sachant que j'ai pas de morale, peut-être, hein. Il y en a peut-être qui sont pas accrochés. On est peut-être encore plus nombreux que ça. J'ai l'impression qu'on est tous à Plissen. Parce que l'objectif de guerre, alors c'est un bon plan. On s'en va pas, hein, les gars. Je
Je sais que j'ai fait une bêtise sur le moral, mais vous me quittez pas. On est à moins 6, on a gagné 6 du coup de score de guerre. Pour l'instant, on a un score de guerre positif parce que Memmingen est là. Mais je compte bien les sortir et les manger. Va falloir que l'Autriche offre la possibilité d'être une cité libre à quelqu'un d'autre du coup. Je sais pas s'ils s'en sortiront. Est-ce que c'est des évêchés eux? Ah! J'ai peur que Salzbourg échoue de. Bénéficie de l'offre, sachant que c'est un évêché. Ansbach n'en est pas un. C'est un duché. Évêché. Du évêché. Il faut faire qu'une seule province pour ça. Ah, la Saxe se bat de son côté. Je sais pas si je peux faire la paix avec eux. Je sais pas s'ils accepteraient. Geldrim, jusque-là. On est pas trop mal niveau ressources. Niveau sous. Ah, Plissane est tombée. Très bien. Donc là, la grande question, ça va être est-ce qu'on les écrabouille ou pas? Par contre, ce serait bien de passer par le même endroit. Alors ils reculent. Oh, c'est étonnant. Est-ce qu'on peut les choper? Oh, ils sont 25, ça fait nombreux. Séparez-vous, s'il vous plaît. Hop, il y en a un petit groupe. Ils vont en Rudovie. Oh, on les chope. Très bien. Adieu, petite armée. Hop. Ça pique, hein, qu'est-ce que vous en dites? Choisir. Alors, siégeons un peu. Sauf s'il y a un groupe qui décide de passer. Dans ce cas-là, on va plutôt par là. Vous. Je pense que vous avez compris que ce qui devait arriver arrivera. Sur expansion 13%. Très raisonnable. Non, c'était expansion agressive que j'avais veillé. Je crois que c'était 32. Ouais, c'était 32% de surexpansion. J'aurais pu réclamer plus chez la Bohème. J'aurais peut-être dû. Qu'est-ce qu'on peut leur demander là, la Bohème? En fait, ce que je veux absolument, c'est ça. Ah! On va faire comme le premier épisode, hein. Je vais trouver une solution et on se retrouve après.